Félicitations fréquences, les mots sur à côté à vous tous de la part de Dandy 33 et c'est reparti pour le QSO national du Canal 27. Alors on est, je sais même plus moi, samedi 2 avril 2016. Alors il m'a semblé entendre un petit peu de monde, en avant les stations. Salut Eric, les bonnes sont très sacotées à toi. Oui, donc comme à chaque fois, la petite vidéo pour motiver un peu les autres régions. Voilà, ok. Ouais, voyez un petit peu s'il y a d'autres stations là qui veulent se signaler là de suite. Ah, j'ai entendu un multibip. Bon, ce soir, ça va être coton hein, là pour faire le QSO. Hein. Là, il y a pas mal de propagues là provenant de l'AM. C'est, ça risque d'être short. Hein. Ça risque d'être aussi merdique là que hier soir. Hein. Enregistrez le break. Oui, affirmatif, enregistrez l'autre break derrière les bonnes 1351 à vous, Michel. J'ai vu votre passage là, sur mon forum, Hachi. C'est bien sympathique là de votre part. Ça y est, il m'a coupé la chic là dès le début du QSO. Ok, comment allez-vous, Michel? Il y a eu un autre break aussi derrière. Deux petites secondes, le break derrière. Retour, Michel. Bon, ben ça va, avec le beau temps. Bon, mais retour à vous pour faire entrer les breaks. Ok, la station qui a breaké en même temps que Michel, en avant. Oui, bonsoir, c'est toi, Belfegor? Oh la vache, il y a un bruit pas possible de mon côté. Attention, Belfegor, attention 14, ODR 444. Est-ce que c'est toi que j'ai entendu? Ah, j'ai trop de cacophonie de mon... caca, oui, carrément. Cacophonie de mon côté, là, Eric. J'ai un petit peu de mal à sortir les stations. Hein. Ok, oui, je salue Michel, 73 Michel. J'espère que tu as bien aimé les invités, voilà. J'ai entendu tout à l'heure les salariés qui se sont signalés un petit peu, mais bon, apparemment, ça a été un petit peu bref, voilà. Oui, voilà, mais j'espère que tout le monde va bien, voilà. Retour à toi, Michel. Les Canaries. C'est pas grave. Là, tout le monde est en français. Ça va à peu près pour le moment. Alors, faut faire aller avec. Allez, retour à toi, Eric, et puis tu peux tourner. Ok, pas de soucis. Mais je ne sais pas si il y a d'autres stations de mon côté qui vont se signaler. Donc, je vais laisser un petit blanc et puis à l'avant des stations. Avec le bruit que j'ai de mon côté, là, je gère plus rien, quoi. J'y crois coup. Bah, c'est vrai qu'il y a de la surmodulation, mais c'est pas sur la fréquence, apparemment. Ah, je sais pas où c'est, mais c'est là, en tout cas. Hein.
Oh là oui. Et je crois qu'il y a les Américains aussi, parce que je les ai entendus tout à l'heure, là, piailler, là, sur le... Enfin, piailler, brailler, là, sur le canal 6. Le 27-025. Ah oui, cet après-midi, là on a changé le ventilateur du salon, hein, parce que on s'attend à un été assez chaud. Et on a fait le branchement cet après-midi là, du ventilateur, les câbles passés par les combles, redescendus dans le mur jusqu'au boîtier de commande mural. Là, on est prêt pour passer un été idéal. Ah oui, voilà pourquoi je pouvais pas être dispo là cet après-midi, car vu la météo, demain c'est pas triste apparemment. Ça risquerait de... Et puis de toute façon, Chameau, c'est vrai que demain il est pas dispo alors. Ben d'ailleurs, on en cherche un silencieux pour la chambre. Car c'est vrai que l'été, c'est un petit peu emmerdant là, de dormir quand on a trop chaud. Quoi. Ben, c'est pas compliqué, quand t'as trop chaud, ben, tu dors pas tout simplement. Ouais. Ah, je comprends, c'est ça la vieillesse, la ménopause, au pardon. Aïe, aïe. Il y en a une qui est pillée de rire, justement. Quoi. Et pour la ménopause, je te retourne le compliment, Hachi. Mais par contre, on est libre. J'ai été donné le mot, pourtant on n'avait pas communiqué. Moi, aujourd'hui, j'ai réinstallé parce que je l'avais démonté pour faire une révision et tout. J'ai remonté la clé. Vous avez. Avec le bruit derrière, c'est, des fois j'ai un peu de mal. Vous avez installé la clim, c'est ça? Aïe, City pas beau ça, voilà de l'organisation, voilà ce qu'on appelle de l'organisation. Ah, je le connais, Michel, il est organisé. Ah, c'est sûr, oui. Il est pas trop loin, il faudra qu'un jour, et toi Eric qui le connaît quand même un peu mieux que moi, et je conseille notre côte pour que j'organise qu'il soit libre et qu'il vienne nous trouver. Ça peut se faire, hein. Et les dames sont acceptées, je vous signale. Nous, il n'y a pas de problème, hein. Je vous comprends. Hachi. Putain, mais là, c'est vrai qu'il y a une espèce de... C'est encore pire qu'hier soir, là, au niveau de la propague, hein. Et curieusement, là, elle est plutôt le soir, la nuit, maintenant, hein. Et celui-là qui vient de parler, il est français ou il n'est pas français là? J'ai pas eu le temps de d'accrocher quoi que ce soit là. Deux cacophonies qu'il y a. Oh là 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 là.
Et des fois, et Eric, des fois on se plaint qu'il n'y ait pas grand monde, mais alors là, pour le coup, n'en jetez plus, la cour est pleine. Je crois qu'ils ont vu ton forum, et puis ça y est, là, ça y est, j'ai dit qu'ils ont vu le forum, et ça y est, on va débarquer. Hop là, attends deux secondes. Voilà, ok, ça y est. Non, ils ont vu Michel venir s'inscrire sur le forum. On s'est dit, ils se sont dit, ouh, celui-là, on le connaît. On le connaît, on le suit. Et puis, tiens, bingo, le voici. Les voici tous. Oui, le break. 913-51 à vous, j'ai pas tout compris. De 14 ODR 002. En compagnie de 14 ODR 0027. Et en compagnie de 14 Alpha Romeo 1995, Sud-Ouest France. 165 to the French station, 165 USA to the French station. Alors là, si la tour de contrôle, vous, vous devez certainement parler anglais, j'en suis sûr. Je vous le laisse avec plaisir car j'ai rien compris. Et c'est Eric qui parle anglais. 1-4 Victor Echo 27, QSL National, ok? QSL, QSL, le QSO national du canal 27 est en train de s'exporter. Sans QTH. Parfait, thank you. Ok, ok, my friend, thank you very much. Ok, thank you very much. The 1-4 Victor Echo 27. C'est quel pays que tu as accroché là, Eric? Voilà, c'est à mon avis, c'est les États-Unis, hein. Waouh! Je savais pas que le QSO national était connu jusqu'à là-bas, j'y crois coup. Oui, comme tu dis, d'ailleurs, je suis en train de mettre à jour la ligne news du QSO là sur internet. Retour de micro sur Michel. Effectivement, oui. J'ai pas tout compris, hein. À nouveau derrière.
ce soir, il y a de la longue distance en propagation. Oui, voilà, j'ai donné les news là, de ce début de QSO. Lina, voyons ça, ils vont être surpris. Ah oui, parce que ça passait pas trop mal en plus. Hein. Plutôt bien, oui, c'est sûr, oui. Bon, Billy, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Oui, là, ça nous interpelle bien, là. Parce que moi, j'en connais quelques-uns, je vais essayer de les convaincre. Et au contraire, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Au fait, Michel, si de votre côté, vous m'entendez mal, je peux faire un petit effort encore, il n'y a pas de problème. Ok, Eric, juste pour te dire, je suis sur la position 4, c'est tout. Hein. Ah, d'accord. Mais tu sais, ça va, hein. C'est bon. Hein. Et encore, position 4 à 50%. Hachi, tu me connais, je préfère préserver la bête. Ouais, non, mais là, ça va. Pour moi, ça suffit, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, non, mais vu que moi de mon côté c'est toi Eric, ça va, je t'entends bien. Michel, c'est un petit peu par moment, c'est un peu moyen, ça navigue, mais bon, ça arrive à bien passer quand même. Hein. Tiens, Eric, bon, tu connais là, le CRT, là, le Superstar 6009, là il n'y a pas de problème. Eh bien, tiens, tu dois certainement connaître aussi le MAS DX 5000. Tu le connais celui-là? Le MAC DX 5000. MAS, MAC Alpha Alpha Sierra DX 5000. Tu le connais celui-là, non? Non, négatif, non, ça veut dire c'est quoi, un poste d'éclat aussi ou quoi, un poste civil? Eh ben, c'est une autre variante du 6009, on va dire, première génération, et il est avec éclairage rouge et jaune. Non, je connais pas. Attends, on va laisser quand même un petit blanc, mais il faut qu'il y ait des stations derrière qui veulent rentrer dans les stations à l'avant pour le QSO national. J'entends quelqu'un avec une légère chambre d'écho là dans le lointain derrière, mais je sais pas s'il est français quoi. Je sais qu'il y en a un qui est derrière, ça par contre c'est sûr, c'est Didier 012.
Alors 14 ODR 012, si tu nous entends, les bonnes soirées 13 à toi, mais là hélas de notre côté ce soir, ça va pas être possible. C'est peut-être lui le Roger B qu'on a entendu là hier soir dans le fin fond, hein. Mais c'est vrai que depuis son département là-bas là, du 012, enfin du 12, hein, c'est short là pour passer. Hein. Surtout là vu les conditions qu'on a en ce moment. Ouais. Michel, le Didier 012, la 14 ODR 012 dont je viens de parler à l'instant, c'est lui qui vous a envoyé les 73 tout à l'heure là sur mon forum. Ah, c'est fait, j'espère que je ne module personne. Non, ok, c'est bon. Là, il est sur mon forum, la planète Sibi francophone. Donc, tu sais, je suis beaucoup plus relax, il n'y a pas de souci, la présentation est faite, je chie trois coups. Et pour le mien, pour mon forum, c'est un forum qui est tout jeune, hein. J'ai dû l'ouvrir au public le 3 octobre 2015. Donc il est vraiment tout jeune, tout neuf, hein, le mien. Hein. Et le forum principal avec lequel on fait le salon de Marennes, qui est en même temps une association, c'est le forum les ondes du routier. Voilà, c'est deux forums qui marchent ensemble, hein, qui marchent ensemble en parallèle, là qui sont complémentaires l'un de l'autre. Certains préfèrent aller plus sur l'un que sur l'autre et vice versa. Et l'avantage, c'est qu'au bout du compte, tout le monde y trouve son compte, quoi. Voilà le beau côté des choses. Et côté Facebook, eh bien, on a le groupe Division 14 ODR. Voilà, là, comme ça, là, vous avez le trio là, de cité, Hachi. Oui, retour Michel. Du monde, mais c'est très très QRP, c'est la cacophonie totale. On n'arrive même plus à différencier les stations françaises et étrangères. Ouais, j'ai entendu. Ouais, ben oui, il y a les Roger Beep. Ben oui, forcément. Bon alors, est-ce que les stations locales, je veux dire là de mon côté, Jean-Paul, Thierry, Fabrice, j'allais dire Chamou, mais normalement il est en gastro solide familial. De ton côté, Daniel, Senteur, Excalibur, qui est sur l'Ormont, Coco 33, qui est Nord-Gironde, JFK, Nord-Gironde aussi. Est-ce que l'un d'entre vous est avec nous là sous le QSO, est en fréquence?
Bon, je les ai pas tous cités quand même. On va pas y passer la nuit, Hachi. Avec le pouvoir bas, j'entends que dalle. Mais bon, au niveau local, non, ils sont pas là, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a un vrai Eric Le Bazas aussi qui se parle là? Ouais, ben moi aussi, mais c'est la vraie cacophonie, ça arrive de tous les côtés. Hein. Oui, bonjour la station, j'ai entendu bonjour, quelqu'un qui nous salue, mais impossible de déchiffrer, c'est vraiment petit, voilà. 73-51 de 14, Victor Eco 27. L'opérateur Eric, retour à vous. Bon, Vivi, toi qui as les grandes oreilles là, vas-y, essaye de nous attraper ça un petit peu là. Il doit être sur la directive parce que là, pour le coup, il a descendu à Santiago 1 de mon côté. Hein. Oh putain, je l'entends plus. Eric, il y a quelqu'un qui parle là, Eric? J'ai le temps de parler, mais je ne déchiffre pas. D'accord, ok. J'ai reçu là ton email. C'est bien la marque Freezer, c'est ça là que tu veux me montrer? Attends, il parle. Ok.